Effectivement, merci beaucoup. Euh, on peut souligner qu'hier, justement, beaucoup de Sénégalais ont traîné les pieds pour aller voter. Euh, Jusqu'à midi, le taux de participation était relativement faible, autour de 20%, et même moins dans beaucoup de localités. C'est dans l'après-midi qu'il y a eu un petit rush qui a permis un peu de sauver la face, mais on est toujours à moins de 50%. Donc, ce qui est sûr, c'est que le taux est faible. Bon, ça, c'est un constat que tout le monde a fait. Maintenant, quelles sont les raisons Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, dont le premier est justement le rôle du député et l'utilité de l'Assemblée qui pose problème. Les gens ne comprennent pas toujours le rôle du député et ils ne comprennent pas toujours l'utilité de l'Assemblée dans l'architecture institutionnelle du Sénégal. Dans euh, beaucoup d'ailleurs doutent même de la pertinence euh, de l'existence de l'Assemblée nationale. Surtout quand on voit des députés en train de se chamailler, certains euh, s'adonnent à des trafics, ce qui pose énormément de problèmes. Et bien sûr, sur le fait que les lois passent comme lettre à la poste. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est un vain mot. Il n'y a pas trop de commission d'enquête parlementaire n'ont pas droit toujours à des débats de fond, mais plutôt à des colibés, des invectives et autres. C'est toutes ces raisons qui font que justement les gens ne sont pas pressés à aller voter. D'autant plus que pour les législatives quand même, on, on ne lit pas une personne. Il y a une liste. La liste, elle est souvent anonyme. Et les gens aiment aller voter pour quelqu'un, pour le maire qu'on connaît pour le président de la République, mais aller voter pour des députés, parfois dont certains euh, ne sont même pas connus, ça, ça pose problème. Maintenant, il y a le contexte, en dehors des raisons que je viens d'évoquer. Il y a le contexte, le contexte d'hivernage. On n'organise pas des élections dans, dans l'hivernage parce que les gens, les, les bureaux de vote pourraient être dans l'eau. Ça peut, peut pleuvoir, comme ça a été le cas dans beaucoup de localités, Cafferine, Caolac, Saint-Louis, un peu partout, ça a plu. Ensuite, les paysans vont au champ. Les jeunes sont en période d'examen. Voilà. Euh, beaucoup de facteurs. Et non, des L'autre, c'est qu'on a démarré la campagne le jour de la Tabasque. Qui écoute la politique le jour de la Tabasque Vous voyez un peu. Autant de facteurs qui font que, voilà, et la chère de la vie Mais à ça. Bon, tout cela a fait que les gens étaient n'était pas du tout vraiment très très motivé à aller voter effectivement. Voilà, voilà. Il s'agit de tendances. On n'a pas encore de résultats. On ne peut pas parler de, de résultats. On a des tendances. Les résultats viendront après lorsqu'on aura une idée nette de tout ce qui s'est passé. Les calculs objectifs pourraient être faits sur la base des calculs, euh, des résultats globaux. Donc, pour le moment, je me réserve de parler de résultats. On va parler de tendances. Oui, le temps provisoire. Même ça, c'est non. Techniquement, juridiquement, on ne peut pas encore parler de résultats provisoires. On va parler juste. Les résultats provisoires sont annoncés par la direction des élections et après, c'est les résultats définitifs seront annoncés. Maintenant, on parle de tendance. Non. Cela dit. Il n'est pas également superflu de dire que lest a fait une percée extraordinaire, que beaucoup n'attendaient pas, que la coalition de l'opposition radicale, c'est comme ça que je les appelle souvent, cette coalition a réussi dans, non seulement à consolider son territoire, ses territoires, Dakar, Ziguinchor, Toba, Tièce, etc. Mais cette coalition a réussi à gagner dans d'autres localités qui étaient souvent les bastions de Benoît Bokayakar. Je pense à Luga, peut-être qu'on me dira que oui, globalement, peut-être Benoît a gagné, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, la percée de Yéhou à Luga, c'est une réalité. À Tiawon, c'est une réalité. À Saint-Louis, c'est une réalité. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'opposition. Est dans les dispositions de réaliser un événement historique. C'est la survenance pour la première fois au Sénégal de ce qu'on pourrait après la cohabitation politique à l'Assemblée. Et ça, on est en train de voir. On ne peut pas dire qu'il y aura cohabitation, mais on dit qu'il y aura possibilité de cohabitation. Maintenant, même s'il n'y avait pas cohabitation, ce qui est sûr, c'est que l'opposition sera tellement bien représentée à l'Assemblée que les choses ne fonctionneront plus comme avant. Absolument. On est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique, dictée par les circonstances. Et ce sont les Sénégalais qui l'ont voulu comme ça. Et je pense qu'il est important de respecter également euh, ce, ce, cette volonté du peuple sénégalais. À mon avis, euh, le, le fait que le, le peuple ait tourné le dos au régime, parce que c'est ça, de, de ça qu'il s'agit le peuple, dans une large mesure, a tourné le régime. Pour des raisons multiples. La première, certainement, est liée au fait que les promesses ne sont pas toujours tenues. Elles ne sont presque pas tenues. Au niveau de la chèque de la vie, la lutte contre la pauvreté, yokute, la reddition des comptes, parce que ça, c'est plutôt la protection des siens, l'acharnement contre l'opposition, les libertés publiques, les gens qui meurent, les promesses de réduction des mandats qui ne sont jamais respectées, les promesses de ne pas faire une troisième candidature qui ne sont jamais respectées. Tout cela a fait que les gens ont été plus ou moins heurtés par l'attitude du régime. À ces éléments s'ajoute maintenant la charte de la vie. Quand on organise des élections dans un contexte de charte de vie, on risque d'être sanctionné. Pourquoi Parce que la charte de la vie frappe tout le monde. Et dans le portefeuille, et directement. Tout le monde est concerné. Dès que vous vous réveillez, vous êtes frappé par la cherté de la vie dans votre portefeuille. Le loyer qui est cher, et le travail qui est très difficile, etc. etc. Donc il y a, c'est vrai, des efforts ont été faits en matière d'infrastructure, hein. peut-être pour élever le statut des enseignants, tout ça. Ça, c'est vrai. Il y a eu des efforts sur les bourses familiales, également sur les promoviles, etc., tout ce qui est effectivement PUDC, euh, bon, ça, oui, le programme d'urgence, euh, des trucs communautaires, il y a aussi les, les, les DAC, les, avec la société PRODAC, l'agence. Tout ça, on sait. Mais ça ne suffit pas. Les, les, le peuple sénégalais est devenu plus exigeant. Quand vous mettez un plan à 700 milliards dans un plan d'assainissement, les questions d'inondation doivent être en partie réglées. N'est-ce pas? Quand vous mettez en place un plan Sénégal émergent, ben, ça doit se sentir, pas seulement sur le à péage, ou le BRT, mais dans, au niveau du euh, niveau du vue du Sénégalais. Non, il y a une déception liée surtout à l'arrogance. L'arrogance de ceux qui détiennent le régime, en général, quand on dure au pouvoir, on commence à développer des réflexes d'arrogance. Euh, C'est-à-dire, je vous ai compris, les jeunes, mois de mars, tout de suite après, on dit, en tout cas, ce qui s'est passé ne se reproduira plus, on ne vous laissera plus faire. Il y a un discours qui est un discours soi-disant de fermeté, mais qui renvoie à une certaine suffisance. Euh, ça arrive souvent quand on gère le pouvoir. Et donc tous ces facteurs combinés, l'acharnement voilà, contre les Khalifa Sall, contre les Karim Wad, avec tout ce que le président Ablaywad a fait pour Maki, les gens n'ont pas oublié. Et Maki, à par rapport lui, les gens avaient beaucoup nourri beaucoup d'espoir. D'ailleurs, en l'élisant, je le dis souvent, les Sénégalais avaient rêvé, en élisant Maki, d'avoir Ablaywad sans les défauts d'Ablaywad. C'est ce qu'il pense que Macky serait. Maintenant, il y a un Macky, un Ablaïwad, sans forcément les qualités d'Ablaïwad. Donc, c'est ça qui a créé la déception. Non, ça n'a pas déjeuner parce que c'est des déclarations d'hommes politiques. Et je ne crois à aucun camp. Pour moi, on est dans une bataille de communication politique qui est d'ailleurs mal placée. Pourquoi comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas des résultats. Ça, c'est un... Des deux, eux, ils n'ont aucune qualité pour prononcer des résultats. Ce n'est pas eux de déclarer des résultats. Le débat est inapproprié. On est en démocratie, il y a des règles. Le débat est inapproprié, maladroit. Hein? Maintenant, qu'ils puissent amener des émeutes ou pas, non, je ne crois pas. C'est que juste les gens sont en train de verser dans la surenchère verbale, non seulement peut-être pour tranquilliser leur, leur camp, parce que Bernard a besoin de tranquilliser ses partisans, de dire que non, en réalité, on n'a pas perdu. L'autre aspect important, c'est la pression sur ceux qui sont chargés de calculer, d'organiser pour qu'il n'y ait pas, voilà, peut-être du favoritisme envers un ou d'autres camps. Donc les gens sont en train de faire des déclarations. On est, on, est en, on est en train de poursuivre un peu une forme de campagne prolongée. Mais je n'écoute aucun de ces exécutants majeurs. Moi, dès que le vote est terminé, je n'écoute plus des politiciens. Parce qu'en réalité, ils sont dans la surenchère verbale, comme ils savent le faire, dans la manipulation politique, c'est très clair. Il y a tous les camps qui manipulent, aussi bien le pouvoir que l'opposition, c'est tous des manipulateurs. Et si vous les écoutez dans un contexte pareil, vous passez à côté. Ils n'ont pas de résultat, ils n'ont pas le droit de proclamer des résultats. On leur demande de respecter le résultat des urnes. Lorsque les résultats provisoires vraiment seront proclamés, par le ministère des élections, chargé des élections, et les résultats définitifs confirmés par les autorités judiciaires, il faudra que chacun maintenant se conforme à ces résultats. C'est ça la réalité. Je ne pense pas qu'outre mesure, ça crée, même si on peut dire, parce qu'il y avait des troubles préélectoraux, par exemple, il y a eu même mort d'homme le 17, tout le monde s'en rappelle. On craignait que le 29, qu'il y ait des manifestations, heureusement, il n'y en a pas eu. Qu'il y ait des manifestations après les élections, ça, c'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais je dis bien ceci, c'est que nous avons fait preuve de maturité. Le peuple sénégalais, je parle, a fait super faire preuve de maturité. Une leçon de démocratie encore lancée à la face de, du monde entier. Il faudrait que nous nous, nous inscrivions davantage dans cette dynamique-là. Je pense que l'opposition a assez réussi à bousculer les, les lignes pour ne pas devoir encore verser dans la violence. Le peuple a suffisamment montré sa confiance en une bonne partie de l'opposition sénégalaise. Et je pense que c'est une large satisfaction qui doit pousser l'opposition à savoir raison garder. Il est évident qu'en dehors de toute considération politicienne, aujourd'hui, chacun sait, connaît les résultats. Tous les États-majors ont les résultats. Ils ont leurs techniciens, ils ont les PV. Aujourd'hui, ils savent exactement ce qui s'est passé. Maintenant, le problème de la politique, c'est la mauvaise foi. Il y a des gens qui sont de très mauvaise foi, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Donc, moi, je ne les écoute pas. J'écoute les instances régulières chargées de programmer des résultats. Et à partir de ce moment-là, on sera. Absolument oui. Bon, j'avais dit, euh, ça je l'ai toujours soutenu, ce ne pas des gens qui ont des mouvements politiques forts. Ils n'ont pas de partis politiques forts, ils n'ont pas de mouvements politiques forts. Ils viennent juste de créer des partis et des mouvements. Et donc ils n'ont pas eu le temps de réussir un ancrage au digne de ce nom au sein de la société sénégalaise. Il s'ajoute un problème que tous les intellectuels pratiquement sénégalais ont, de chez Ante Diop à c'est qu'il y a une sorte de hiatus, une sorte de fossé entre les intellectuels et la grande masse. Souvent, les intellectuels ont du mal à être de vrais politiques. Bien sûr, il y a des exceptions comme Ablaywad, etc. Mais en général, les, exceptions ont du, les, les, les intellectuels ont du mal à être de vrais politiques. Parce que pour être un vrai politique, il faut descendre à la base. Il faut être avec les gens. Il faut être dans leur baptême. Leur qui Il faut parler comme eux. Il faut s'habiller comme eux. Il faut savoir se préoccuper d'eux en permanence. Ce que les intellectuels n'ont pas le temps de faire. Ou n'ont même pas la volonté de faire. Parce que les gens n'ont pas besoin d'être dérangés tout le temps. Est-ce que si vous appellent, vous allez décrocher Est-ce que vous allez vous occuper de leur funérailles Est-ce que vous allez vous occuper de leur baptême Est-ce que quand ils ont des pommes de dépense, ils peuvent vous appeler C'est important pour le Sénégalais. Et ça je pense que les Abdoumbaye, tous ces gens-là, même s'ils ne sont pas d'art, ils sont dans d'autres coalitions, mais tous ces gens ont ces problèmes. Leur manière de faire la politique, par des communiqués, des déclarations, des trucs, ça, ce n'est pas très sénégalais. Si vous voulez créer un parti populaire, vous descendez à la base et vous, vous changez de paradigme. Mais si vous restez intellectuel, réfléchi, il euh, y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous suivre. Et je pense que peut-être Art n'a pas eu aussi assez de temps pour asseoir les conditions d'une vraie synergie autour de la coalition. Les gens se sont coalisés très vite sans avoir des bases solides. Et ça, ça a créé un problème. Les Sénégalais ne se rappellent pas qu'ils doivent voter pour Art parce qu'ils ne connaissent pas bien Art. Voilà, la présence, il n'y a pas eu de temps. Les leaders qui, ont, qui, sont, qui sont regroupés au sein de art ne sont pas, pas forcément de grands partis, n'ont pas de grands mouvements, même s'ils ont des parcours au sein de l'appareil d'État. Ça laisse à désirer. Et peut-être que ces Sénégalais ne se sont pas rappelés de la nécessité peut-être de, de les porter à l'Assemblée. Alors que ce serait important. C'est de bons profils. Personne, non. Bah, pour une première, on peut parler par exemple d'une bonne moisson, d'une bonne réussite pour lui, qui aurait dû déjà être recalé au niveau des parrainages, il n'a pas été recalé, heureusement pour lui. S'il réussit à avoir un siège député, ce sera encore tant mieux. Il aura peut-être fait l'essentiel pour une première, comme vous dites, ensuite très jeune, euh, véritablement, qui n'était pas dans le milieu politique. C'est déjà, déjà une, pro, une prouesse. On lui souhaite bonne continuation. Maintenant, il est sur le terrain politique, il n'est plus sur le terrain des médias. Parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Moi, je suis convaincu. On ne peut pas être journaliste et communicant on ne peut pas être journaliste et politique. Vous choisissez votre camp. Voilà, sinon vous mélangez tout. Et ce n'est pas admissible. Il va de soi que le journaliste mélange à tout les gens qui se sont fait une once de popularité, on suit l'exploiter parfois pour des élections. On a vu une on a vu Ahmed Aydara, peut-être Pape Dibri, Il va suivre. Et on lui souhaite d'être à l'Assemblée. Voilà. Du de fait, de fait de sa jeunesse également, et aussi de ses des aptitudes intellectuelles. Donc, euh, voilà. Mais, euh, il n'est pas encore dans des, dans des postures de faire des miracles. Yeah. <laughs> N'est-ce pas <laughs> Écoutez, à l'Assemblée nationale, ce qui va changer, c'est justement, euh, on risque de nommer un prémisse qui soit favorable à, à l'opposition. C'est le président qui nomme, pour qu'on puisse voter les budgets et les lois. Si vous refusez, si le président ne nomme pas, prend quelqu'un de son camp, ou prend un, une personnalité soi-disant neutre, qu'est-ce qui va se passer Les députés peuvent refuser de voter vous amenez un projet de loi, il ne vote pas. Vous amenez la loi de finances, il ne vote pas. Vous allez gouverner comment Difficilement. Avec des ordonnances. que Je dis à l'indouï. À des ordonnances. C'est compliqué. Vous voyez un peu la situation. Et cette situation n'est pas nouvelle. Elle s'est présentée. Elle, est nouvelle, elle serait nouvelle au Sénégal. Mais elle n'est pas nouvelle en Afrique. Et elle s'est présentée en Guinée-Bissau à côté. Pendant quatre ans, tous les temps, quand Imbalo n'était pas là, pendant que Mario-José Vaz était là, le président Vaz, il y avait ça. Pendant 4-5 ans, entre le président Mario José Valls et, et le président de la Chambre nationale, Domingo Chimioche-Prera, ils étaient à coups de tirer. Il n'y a jamais eu de vote de budget, rien. Blocage institutionnel. Donc, ce scénario est possible. Le président peut nommer un ministre favorable à l'opposition qui exécute les missions de l'État. Ou bien, il refuse. Dans ce cas, il risque d'aboutir à une crise institutionnelle avec le refus systématique de la majorité, certainement, de voter les lois, surtout la loi de finances. Parce qu'ils ne vont pas voter une loi dont ils ne sont pas d'accord de l'utilité, des orientations. Vous voyez, ils vont dire, non, on n'est pas, pas d'accord sur vos orientations, on ne vote pas la loi. Ils vont peut-être chercher de l'argent ailleurs ou essayer de faire fonctionner des choses, mais il faut bien payer des salaires et tout faire. Ce euh, sera compliqué. Donc, le, la meilleure solution serait de nommer un premier ministre favorable à l'opposition. Mais là aussi, si vous le faites, vous, presque ça veut dire que vous abrégiez votre pouvoir. Dans ces conditions, est-ce qu'il ne serait pas mieux de, de démissionner et d'aller à des élections anticipées C'est fini, ce sera 2024, on serait dans les élections présidentielles. Même s'il si le dissolvait si en 2024, ça servira verra quoi Il est déjà dans une dynamique d'élection président, présidentielle. Donc, ça ne servirait à rien de dissoudre l'Assemblée à ce moment-là. Mais actuellement, il ne peut pas le faire, du fait de la loi. Sinon, ce serait trop facile. Quand l'Assemblée vous dérange, vous, 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 la, vous, la faites, vous la faites disparaître. Ah, normalement, si le président raisonne bien, s'il raisonne bien, il, de, il devrait savoir que même s'il il pense avoir droit à une troisième candidature, les Sénégalais risqueraient de le sanctionner, comme M. Qu'il a peu de chances d'être élu dans ces conditions-là. Que le, de, le peuple lui a déjà donné un signal fort, que les gens ne sont pas certainement favorables à son programme, que beaucoup n'aiment pas son programme, n'apprécient pas son programme. S'il s'entête, il sera battu à plat de couture. Je pense que la meilleure façon pour lui de sauver son camp, c'est de se déplacer et de laisser un autre s'occuper de Beno Bokayakar, un autre candidat s'occuper de Beno. Et que lui, il se retire, il commence à se retirer en nommant un prémus, il le prépare. Non, ce pas lui, si, si Benoît est toujours majoritaire. Mais si Benoît n'est pas majoritaire, ça, c'est autre chose. Mais si Benoît est toujours majoritaire, il peut nommer un ministre et le préparer pour le Dauphinat. Parce que c'est la meilleure chose. Il a tardé à le faire, d'ailleurs. Il aurait pu le faire depuis longtemps. Depuis Non, non, il, a, il devait nommer un Dauphinat. Il prépare quelqu'un pour le Dauphinat. Euh, multiplier les chances... D'avoir beaucoup plus de sympathie envers les Sénégalais. Parce qu'une des raisons pour lesquelles également les Sénégalais doutent de lui, c'est justement cette politique de ni oui, ni non. Alors qu'il avait dit qu'il est parrainage. C'est-à-dire, je ne vais plus faire. Maintenant, s'il si dit eh, ni oui, ni oui, ni oui, ni non, eh, ça pose énormément de problèmes pour beaucoup de Sénégalais. Parce que voilà, c'est sa parole qui est remise hein, en cause dans nos sociétés orales. Le respect de la parole également signifie quelque chose. Donc, si euh, le gars se permet de dire oui nous non, nous, nous, alors qu'il avait dit non, qu'il n'allait pas se représenter et qu'il allait réduire son mandat de 7 à 5 ans, tout ça, il n'a rien fait. Et réduction des comptes en prison des opposants qui n'ont pas assez proche. Vous voyez ce que ça fait, les frustrations accumulées. Petro Tim, avec son frère Arussal, il disait qu'il n'allait jamais le nommer par décret il l'a fait au niveau de la caisse de dépôt et consignation. Vous voyez, ça fait un peu trop. Euh, ce qui a créé un capital euh, d'antipathie ou de désempathie pour parler comme euh, les spécialistes, euh, en, en son égard. Déjà, le, le dernier mot, c'est juste que nous avons euh, une chance au Sénégal, c'est d'avoir la paix. Et il ne faut pas qu'on perde la paix. Et si, euh, la paix, c'est notre richesse la plus importante. Préser, travaillons à préserver la paix. Pour cela, respectons les résultats des législatives, des élections que chacun chacun respecte les résultats des législatives en travaillant pour la paix parce que si on perd notre bénéfice principal c'est la paix si on la si on la perd effectivement on perd tout le reste. Donc c'est important que chacun y travaille.